Forgot one very important thing, mate. Captain Jack Sparrow. Salut, salut. On se retrouve en fait pour une dernière vidéo HD, enfin SD plutôt. Donc je voulais vous montrer, enfin je vais faire ça en deux parties. La première partie, je vais vous montrer la première attraction que j'ai fait à Youpi Park, et la deuxième, je vais la faire avec vous. Ah, il commence à faire un lien en plus. Donc voilà la première. C'est une sorte de paintball avec un coffre en plein milieu et une peau de vache à l'intérieur et 4 points de spawn avec dedans des boules de neige ou des arcs. Donc je vous montrerai ça plus en détail la prochaine fois. Donc voilà. Donc on va essayer de se retrouver pour le labyrinthe dans quelques instants. Salut! Salut, salut. Donc voilà la deuxième partie dans ce magnifique parc d'attractions qui se nomme Youpi Park. Je vais essayer de faire le labyrinthe que j'ai créé avec vous. Je l'ai jamais fait en fait, si, enfin deux trois fois, mais jamais jusqu'au bout pour aider quelques personnes. Si vous regardez le tableau d'affichage, c'est assez ancien, c'est parce que il a dû être fermé à cause de la protection anti-creeper. Parce qu'il y a des passages droits, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire avec vous. Donc c'est parti, c'est parti. Donc vous voyez différents panneaux. Donc voilà, si vous voulez. Donc voilà, avec une récompense à la clé. Il y en a qui peuvent, mais qui ont réussi à le faire en. Bah déjà, la porte ne s'ouvre pas. Pourquoi ça s'ouvre plus? Ah si, c'est bon. Ouais, il y en a qui ont réussi à le faire en 2-3 minutes, et il y en a qui ont mis une heure comme 2 heures. Ça dépend des personnes. Donc moi je suis assez bon. Enfin, je me souviens à peu près comment ça se passe. Attendez, tac. Alors, que je me rappelle bien. Ah, ça y est, je suis déjà perdu. Est-ce que... Ah non, c'est pas par là. C'est foutu. J'ai raté l'interception. En fait, il y a une intersection qui est assez primordiale. Je vais couper là et je vais vous retrouver après, bah, pour laisser la surprise. Bien sûr, à ceux qui veulent l'essayer, parce que je suis déjà perdu. Je sais plus où elle est. Tac, c'est pas ici. Ouais, j'ai coupé et je vais vous retrouver juste après. Salut! Me revoilà dans le labyrinthe en compagnie de Kamina et de Dark Pop. Je les ai déjà perdus, je les suis. Donc voici deux membres d'Aura. Donc voilà. On va voir si on arrive à s'en sortir. Ce qui va être assez compliqué. Puisqu'en fait, je vais pas vous mentir, ça fait environ une vingtaine de minutes que je tourne en rond. Voilà. Je vais leur dire s'il y en a un.
Désolé pour les fautes, il est tard en plus. Je suis toi en même temps. Donc voilà. Ah bah voilà. On a trouvé l'entrée. Donc je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre avec eux dans quelques instants. Salut, salut! Donc on se retrouve pour la deuxième salle en compagnie de Camina toujours et Dark Pop qui ont réussi à faire le labyrinthe assez facilement, donc premier fail. Donc ça doit être moi qui suis soit assez nul ou soit j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc je vais tenter de faire ça. C'est moi qui l'ai créé, mais je suis vraiment assez nul. Donc on va faire ça tout doucement parce que tout simplement, j'ai pas envie de mourir comme un gros naze. Ah! Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà, je suis mort lamentablement. Donc j'espère que ça va pas ramer, sinon j'ai pas envie de couper parce qu'il faut que je le signale à tout le monde. Donc je vais vous retrouver directement là-bas en fait. On va voir si ça a marché. Enfin, si j'arrive à me téléporter. Parce que des fois, ça peut prendre un temps considérable. Vivement, bah, que j'ai ma nouvelle configuration d'ici quelques jours. Donc là j'ai peur que ça plante. Je vais faire une pause. Donc voilà. On se retrouve ici parce que je sais pas s'ils ont réussi ou pas. J'ai eu un problème de set home. Voilà, je parlais un peu trop vite, ce qui me faisait apparaître en gros. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à la fin de la vidéo, ce qui va être très difficile. Parce que premièrement, on n'est qu'à la deuxième salle. Ah, ils sont déjà à la salle des leviers, donc. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah voilà, bah, parce que moi en fait j'ai vraiment du mal avec la lave. Donc on va voir si j'y arrive. Il faut que je me concentre. Non, non, c'est pas possible. C'est bon. Non? Si? Ouais, je vais pas y arriver. J'ai coupé, je vais vous reprendre une fois que j'ai le passé parce que sinon je vais pas m'en sortir, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc on se retrouve pour la dernière partie normalement. Avec Camina, parce qu'il y a eu pas mal de soucis, ça fait environ 1 heure qu'on est dessus, parce que bah, il y a eu des gros fails, on n'a pas trouvé la sortie ni l'entrée, ou on est tous morts, ou il y a eu pas mal de soucis, donc je vais le laisser faire, parce que moi je connais évidemment, parce que c'est moi qui l'ai construit. Donc là on est une salle, je vais pas vous dire laquelle, parce que si vous le faites après, ça va pas être marrant. Parce qu'en fait, cette salle-là, bah, il a trouvé tout de suite. Cette salle-là, personne ne l'a prise. Sur les 15 personnes qui l'ont faite, personne ne l'a prise. Je sais pas pourquoi tout le monde prend toujours la même direction. C'est peut-être l'instinct ou le fait, ou je sais pas, mais c'est toujours la porte la plus proche d'un certain endroit. Je vais pas vous dire lequel.
Donc voilà, il a trouvé assez rapidement. Donc voilà, là on se trouve à la salle avec énigme. Donc il y a Dark Mob qui se trouve derrière. C'est assez marrant. Il nous attend. Je sais même plus c'est quoi en fait. Parce que ça fait, je l'ai construit il y a un mois. La solution se trouve dans la salle de chiffres. Ok. Ok. 3, 4, 5. Je sais plus ce que j'avais fait en fait. Je sais plus du tout. Si non, se trouve la solution se trouve dans la salle. Je l'ai fait et je me souviens plus du tout. C'est fou quoi. C'est peut-être parce qu'il est tard, là. Il est 9h45 et j'ai pas encore dormi, donc j'ai un peu de mal à réfléchir. Ah donc voilà, il nous a aidés, donc vous ne saurez pas la réponse, mais je sais plus ce que c'était, si c'était avec l'Hélène ou un truc comme ça. Donc voilà, bah merci à je sais pas qui c'est qui a réussi à faire le à ouvrir la porte. Adad. Dark Pop a trouvé, il a une assez bonne culture, bah Kamina aussi, ouais. Je pense que c'est pas compliqué. Évidemment. Donc voilà, là on a réussi la première partie. Donc je vais vous montrer la salle des scores et on va couper pour faire la dernière partie qui se trouvait dans le labyrinthe noir parce que je sais pas si ça a marché. Donc voilà, je vous laisse ici, on se retrouve tout à l'heure. Salut encore, salut. Donc voilà, on se retrouve bah, pour la dernière partie avec bah, Dark Pop et Kamina qui ont vraiment bien réussi bah, le parcours. J'ai été assez impressionné par... Bah, par Kamina et Dark Pop qui chapeau, ils ont bien trouvé. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le labyrinthe en compagnie de deux membres d'Aura. Donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo en HD. Donc voilà. Salut tout le monde.